Mes amis, pas de pas de connaît. Bandi à gros enfants fois déjà occupé 80% notre capitale. Ça ne relève le département l'Ouest pays. 80%. Mais ça qui est plus grave là, c'est ça qui a passé dans la police dans ce moment là. Bagay yo bay gros qui cassé. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutierrez, déshabillé largué sous place publique. Yon nan pi gros scandale que PNH pa jam konnen depuis l'institution créée en 95. Nous pral bo tout détail yo, nous pral bo toute information yo. C'est malheureusement faut qu'on connaisse, mais en pile moun a posé question, est-ce que information ça yo pa fait bandi au plaisir. Nous pral ba ou détail dans yon ti moment. Dans moment là, nous pa presque tande Ariel Henry. Faut que moi dis nous, dans ça qui est pour avec dossier politique, code la red dans courriel dans moment là. Eh bien jeudi 4 septembre 2023, jeudi lundi ça, il y a une délégation qui sorti, une délégation CARICOM voyé pour venir chita avec acteurs politiques yo, pour venir chita avec membre dans gouvernement Ariel là, pour venir chita avec représentant Montana et mettre sous lit pour venir chita avec signataire déclaration conjointe Jamaïque là. Mais bien avant yo te fait sous pas connait bam tout douli. 1er septembre 2023 passé a, eh bien, gon réunion virtuelle qui fait avec 3 catégories acteurs ça yo ça me sort sitôt là yo Ariel Henry membre gouvernement là représentant comme Montana mettez sous lit signataire déclaration conjointe Jamaïque là. Oh Ariel pété coquet. Ariel pété coquet parce que sans Ariel t'a pas tant non c'est pas comme ça bagaille l'an passé. Eh bien nous pral ba tout détail sous dossier ci là puisque nan moment Ariel a préparé pour lui aller New York pour aller participer dans 78e Assemblée générale des Nations Unies. Nous connaissons, depuis Ariel pralé dans rencontre officielle, ça yo, discours tout en bas bral. Eh bien, déjà là, il faut qu'on connaisse qui ça Ariel préparé pour la déclencher là, pour la laguer dans les Nations Unies, dans l'Assemblée. Bonjour tout le monde. Comment nous y est, m'espérer que nous en forme, m'espérer nous préparer pour émission si là. Déjà, m'a souhaité nous passer une très bonne semaine. Jeudi, c'est lundi et 4 septembre 2023. Si vous pouvez abonner, m'a invité vous à abonner à la chaîne là, pas négliger, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo n'a pas gagné pour nous poster yo. Avant même nous rentrer dans l'information yo, il faut nous profiter, rappeler au projet rentrée des classes que nous initié et depuis pas mal de temps là, nous lagué projet à n'attend support, n'attend contribution. Et pour un pile parent qui t'en dit qui dans difficulté, pour un pile professeur l'école qui a plein gens bagaille difficile dans moment là, eh bien, gain demande qui fait par bon côté. Ministre de l'Éducation nationale là, Nespi Maniga pour regarder comment yo te ka reporter rentrée des classes ça. Au mois d'octobre. Donc, nous été quoi, c'est une très bonne nouvelle. Si pendant semaine ça ou bien week-end pour venir là, pour nous apprendre que le ministère de l'Éducation nationale a reporté et date rentrée des classes. Ça t'a ba nous plus et temps devant nous pour nous préparer parce que nous plus loin que nous plus près. Il y a un pile promesse qui fait vrai, mais jusqu'à maintenant, et nous cadeaux que nous pi loin que nous pi près. Donc, ou même qui veut supporter nous, ou même qui veut les ballons qu'on met dans le projet, c'est là, pas hésiter, écrire-moi le numéro émission, 38 96 38 19 pour dire Yannick, mais comment vous voulez supporter, son KM Kabay, son plume Kabay, son bâton crème Kabay, l'IPAP déranger, il suffit que projet l'y réaliser. Donc, c'est ça qui est beaucoup plus important. Et déjà, m'abdou merci, ou même qui participe avec nous, et ou même qui fait nos promesses que ou a participé avec nous pour année dans le projet rentrée des classes. Et Bouik chargé pas camper information nous porter. Mais faut que moi dis nous, et matin, pendant ma préparer émission, gagner yon enveu, m'vle faire nous. Parce que ça doit rester dans les annales de l'histoire. Nous tous doit ka songer li. Nous devons quitter le tout pour les gens qui derrière pour apprendre de lui. Pour l'histoire et pour la vérité, si nous demandons qui ça me pense de Ariel Henry, de gouvernement Ariel Henry, de signataires accord 11 septembre, 21 décembre, Ariel Henry, qui gagne André Michel là-dedans, Edmond Supplice Bozil là-dedans, qui gagne PHTK là-dedans, qui gagne au paquet l'autre monde, Majorie Michel, Nanel Kassi. Si nous t'as demandé qui ça me pense de un paquet ancien président qui passait dans tête pays, Matéli, Jovenel, si nous t'as demandé qui ça me pense de privé, si nous t'as demandé qui ça me pense et de Aristide. Honnêtement, si nous faisons une catégorisation, gain qui pire, gain qui moins pire, gain qui pire. Parce que je ne jodi en la pour nous arriver sous Ariel Henry, cap craser pays avec acolyte Lio. Pour nous arriver sous gang criminel ça au bandi légal ça yo qui a craser pays, qui active gang, qui active bandi dans des gouennes parce que Jean-Nèg yo a privé là sous Port-au-Prince, en bourrique Jean moun yo kon di là. Jean-Nèg yo arrivé sous Cafoufeuille, déblé Cafoufeuille n'a gardé, Jean forcé population à courir quitter Kayo. Mon cher nous ka dil, ça c'est bagay gang pouvoir, ça c'est bagay gang l'État. Donc, dans moment là, nèg sa yo qui sous pouvoir, nous considérons yo comme un paquet sans maman, un paquet sans conscience, un paquet criminel, un paquet assassin. Que le te Ariel, que le te André Michel, que le te DG la police, que le te membre état-major la mer, état-major la police, que le ministre justice et ministre prophète ministre, mon cher, monsieur, dame, ça yo qui nan gouvernement réel là, ça y kate youn la dan yo, son paquet criminel yo ye. Parce que c'est volonté yo gagné pour yo quitter gang à touye moun, pour yo quitter bandit à assassiner moun, sans yo pas prendre aucune décision valable, concrète pour retirer pays en côté lié là. Si vous rappelez ça qui est passé avec Juif en Europe, dans l'histoire jusqu'à présent, sous Hitler, sous tous ces descendants Adolf Hitler, ou ces petits, je garantis son condamnation, son malheur. Journée aujourd'hui, nèg sa yo qui sous pouvoir là, nèg sa yo qui participe, qui met tête ensemble, faire complot pour tuer Jovenel Moïse, pour yote kapre pouvoir, kembe pouvoir. Moun sa yo fok histoire kebe non yo comme traite à la nation, comme criminel, comme sans maman. Parce que yo fait pays en mal, c'est ça le dire. Ça y a fait, c'est exactement ça lié. C'est action criminelle, action bandit, action assassin, action traite liée. Donc, que vle, que pas vle, que c'est militant André Michel, que c'est défenseur Ariel Henry, que vous supportez PHTK, que vous supportez Michel Matelia, tout l'autre vagabond qui passe dans tête l'État, qui mette pays en côté lié là. Nous supposons chercher génération Mounsayo pour ne pas jamais quitter petit, nos proches, nos familles, nos amis, nous rentrer dans collecte Mounsayo. Moun sa yo, c'est des séries de moun que société a ta supposé jeter bien loin, que société a ta toujours à veiller tant qu'on l'a veillé voler, parce que moun sa yo, c'est un paquet moun qui fait payer mal yo ye. Donc, nous pral comprendre que jodi an, réalité qui gen là, dans moment de dans la République, côté que bandit a touye population, criminel, gang, a pousser de nous, faire nous quitter kay nous. C'est parce que une décision par bon côté, Ariel Henry, pour le Québec pouvoir. Pendant semaine qui sont passées, on nous tendait de temps en temps, il y a une rumeur sur tout réseau qui dit que bandits veulent prendre contrôle par les national. Bandits veulent prendre contrôle cour de cassation. Bandits veulent prendre contrôle et la douane, ils veulent prendre contrôle au paquet institutions représentatives dans le pays. Automatiquement, on pose cette question. Si bandit débarque au prend palais national, il veut dire ça, il veut dire. Bandit débarque au prend cour de cassation, il veut dire ça, il veut dire. Pas comprendre, pas mettre dans tête tout. Si bandit a fait le counier, il a fait le compte Ariel Henry, non? Pas mettre dans tête tout. Si bandit a fait le counier, bien demain matin, non semaine, non mois, c'est compte Ariel Henry, non? Parce que plus d'instabilité en dedans pays, plus bandits à ferraille, mouna mouri, mouna victime. Pouvoir Ariel Henry, bandit légal yo, y a toujours cherché en façon bien l'autre pour justifier demande d'intervention fait avec international là, pour justifier toute action yo pral poser qui pral permettre yo décaisser l'argent tant que ça m'pa connait dans caisse l'état dans budget. Donc tout ça qui passe en dedans pays li arranger nèg yo d'une façon ou d'une autre. Faut moi di nou nan moment là go situation amère qui a passé en dedans PNH. Nan jou qui sont passé yo, eh bien gagne nouveau directeur et nouveau DCPA, Direction Centrale Police Administrative, France Mathurin. Depuis l'elle montée dans tête DCPA, eh bien, commencé à gagner des mesures qui apprennent. Hier, on te partagé une vidéo avec nous, côté que DG la police France LB l'a motivé troupe, DG la police là et l'a parlé avec policiers yo, fait moral policiers yo, faut policiers yo servi pays yo et que vis-à-vis de institution PNH, il y a des séries de monde qui l'a pour déstabiliser yo, mais yo même c'est goumé yo kon goumé etc., etc. La fait on appelle aux hommes avec policiers pour policiers pas peur pour camper pour affronter bandits, pas peur pour défendre pays répondre avec engagement yo gagné en dedans institution qui se protéger et servir population. Mais faut que moi dis nous dans moment là PNH li en alerte. Gagné yon état d'urgence qui décrété en dedans institution la police. Gen bien longtemps nous même nous t'attendre que et pouvoir en place, mini justice de concert avec CSPN, avec Ariel Henry, ministre intérieur en tout, et même Ariel Henry ça, ils ont pris la disposition pour décréter un état d'urgence sécuritaire. Pour une raison ou pour l'autre, en vérité, nous pas jamais qu'à comprendre ça fait pas jamais gagner un état d'urgence qui décrété depuis 15 jours de cela. 15 jours de cela, bandits envahis, cafoufeuille, moun ap mouri, moun ap tombé, kay ap boule, policiers ap couri, famille ap séparé, yon a gauche, yon a droite. Situation compliquée. Et bandits yo ap marché sous Port-au-Prince. 80% territoire dans centre-ville pays, dans Port-au-Prince, côté lié, li nan men bandits. Donc, t'as supposé gagner des mesures qui prennent par bon côté l'État, par bon côté la police, par bon côté la justice pour contrecarrer bandits. Yo pas jamais fait. Mais kounye par rapport avec jan situation là, eh bien DCPA obligé prendre mesure côté que yo coupé tout congé sauf congé maladie policier. Après ça, depuis c'est moun qui te gen congé et annuel, depuis c'est moun qui te en permission policier qui te en permission pour aller régler une activité quelconque, eh bien yo mandé tout policier pour yo rentrer dans base. Et dans moment là, gagner une haute supervision qu'a fait dans commissariat yo, dans sous-commissariat yo pour yo assurer yo que bon effectif valable de policiers qui souterrain qui a veillé avec sécurité publique là. Nous songeons 2 semaines de cela, nous font émission côté que et Miami Herald non enquête de proximité que yo fait en dedans institution la police. Yo te fait qu'on ait gagné près de 3300 policiers qui affectés avec sécurité publique là. Leur te ba information ça te ba gros qui est cassé, on sait que parler de 3300 policiers qui affectés avec sécurité publique par rapport avec Jean Bandi au Kounia au fédéré tête yo, tout bandi, tout groupe gang c'est allié pour yo ka augmenter effectif yo, pour yo ka augmenter et quantité d'armes, quantité munitions yo gagne là dans situation le a pas affronter avec la police bagay ça son choc lité. Mais plus gros choc ou pral prendre ça qui gagne pour avec institution la police malgré gagne effort qu'a fait par bon côté des CPA, malgré nous ouais gagne motivation DGLB a bay policier yo, malgré nous ouais là sot gon flotte machine pays États-Unis di PNH mais ça ne remet ou mais ça ne font cadeau, malgré nous ouais blindé yo chablindé et l'état haïtien était commandé dans mes Canada yo finalement voyons l'autre partie là-dedans yo oui qui a venu renforcer quantité matériel PNH gagné dans mel pour le combattre gang, pour le combattre bandit oui. Eh bien qui ça bagaille là? Eh bien secrétaire général Nations Unies Antonio Gutierrez li te gagné pour te écrire un rapport pour le voyer par Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, mois passé, rapport lan li al dans mois août lan, rapport lan li allé joindre divers représentants, divers pays membres conseil lan pour prendre connaissance de situation haïtienne, pour prendre connaissance de comment institution la police de comment la fonctionner dans moment là, qui point fort yo, qui faiblesse yo, qui ça yo besoin, qui ça yo manquer, qui ça yo pas rien, etc. pour yo comment yo ka aider. Eh bien, c'est à partir de là nous pral prendre choc là. Dans un article que Miami Herald publié, messieurs et dames, faut que moi dis nous dans moment là, ça qu'a passé dans PNH, son bagay qui enragé. C'est première fois qu'on scandale qui aussi grave en dedans institution la police depuis l'institution créée en 95. Depuis le PNH, li opérationnel, li fonctionnel, c'est première fois qu'il y a un scandale pareil qui créé dans l'institution. Eh bien, qui ça bagaille là? J'en regarde là avec moi, ça c'est petit article que Miami Herald écrit sur Haïti. Eh bien, il y a presque 800. Attendez bien, vous avez il y a presque 800 policiers qui quittent PNH là. Près de 800 policiers. Dans le rapport que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutierrez écrit, gagné au total 774 policiers qui quittaient la police dans l'espace 6 mois. Alors que, tenez bien, alors que PNH par année gagne 400 policiers qui comptent quitter l'institution, que ce soit policiers qui mourit, policiers qui allaient à la retraite, policiers et qui prend retraite anticipée pour cause d'invalidité, si policiers pendant l'opération bien et pendant la prêtre la cali etc. bandit tiré living gon invalidité li pa ka et répondre avec besoin PNH parce que faut gagner toute aptitude physique ou faut plus bon, etc. on comprend. C'est pas que on mette moun qui handicapé yo à l'école non, mais pour aller souterrain, si on a une unité spécialisée pour aller souterrain, faut toute capacité motrice yo, faut toute bagaille on top. Au total, yo estimé par année la police qu'on gagne 400 policiers et qui quittait entre ça quitter, ça mourir, ça qui prend retraite anticipée ou bien qui rivé dans la retraite 400. Eh bien, dans l'espace 6 mois, mes amis, dans 6 mois qui sont passés à là, gagné 800 policiers. Près de 800 policiers, parce que c'est pas chiffre approximatif lié, c'est enquête qui menait en dedans l'institution de la police, qui pral révéler Gutierrez que gagné au total 774 policiers qui quittent l'institution. 774, parmi eux, gagné 77 femmes. Et puis tout très sur ces garçons. Nous songeons depuis le programme Biden, non? Li ouvrir. Il y a un paquet de formations qui a circulé qui dit que il y a un pile policier qui l'a pied yo, policier yo te fil pour yo dans programme. Non, yo répond yo obligé aller parce que situation difficile pour yo en Haïti. Eh bien, c'est pas menti. Il y a un pile policier qui allé là dans programme Biden. C'est une des raisons qu'il faut attendre. Gagné moun qui dit que Ariel te mandé pour retirer policiers dans programme Biden non parce que policiers a déserté, y a quitté institution yo pralé. Mais c'est pas ça qui problème non. Ça qui problème non c'est que même Conseil de sécurité des Nations Unies ça qui gen rapport PNH nan men lan, eh bien dans rapport ça, secrétaire général Nations Unies te vinn faire enquête de proximité, voyer expert vinn faire expertise de l'institution la police, gen tout effectif nan men, gen tout donné nan men, ça est pas dans bouche, c'est sous papier, comptabiliser, retirer, ajouter, multiplier, diviser pour yon jeune effectif là. Ça qui grave là. Ça le fait que pendant temps de 774 ça la police est révoquée, licenciée, mourir, partie, etc. Ça leur pral dou, gen nan quelques situations, institution la police arrivée vis-à-vis de opération yo pral mener, on policier qu'on a, on groupe policier qu'on a l'opération, et puis bandit yo pral attaquer, bandit yo pral repousser yo. Bandi yo plus que policiers yo c'est une des raisons qui toujours la cause policiers yo victime parce que qui ça bagay là sous pral mener opération et pour ou déjà connaît moun ou pral bata en face yo, moun san yo, yo nan fédération, yo gen l'autre branche, yo gen l'autre groupe gang k'ap sot l'autre côté, vin pote yo renfort etc. Donc psychologiquement policier déjà sont-ils pas la brille, sont-ils pas confortable. Mettez sous ça, le policier l'opération, li blessé son casque chinois pour joindre soin. Le policier mouri, son problème pour l'enterrer. Et madame petite li kite, famille kite, maman, papa, soeur, frère kite, tout te sous compte li, eh bien, moun san yo kounya yo vin nan situation difficile, yo vin nan mande même enterrer en pile fois policier pas même caractère. Donc bagay ça fait policier ou réfléchir à deux fois. Et au policier qui joue nos possibilités pour laguer piel, li plus envie laguer piel que le rete journée jodi en là sous sol là pour affronter bandit, pour combattre bandit parce que bamdou. Vérité pas ka cacher. L'on mette nan tête tout. Nèg sa yo ki nan l'état, c'est yo même ka renforcer bandi. Parce que c'est impunité lié. C'est une question de impunité. Si imagine le premier ministre qui chef CSPN, journée jodi en là, non l'a cité, non l'a cléonné dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Li fait toute bagaille li connaît pour le rester à l'abri de la justice, pour le rester à l'abri de un juge d'instruction pour pas jamais questionner sous dossier. Quand on prend son policier là, Ariel là, li prend Ariel pour bon moun. Ariel pas jamais ka bon moun. Ariel pas jamais ka bon moun parce que moi même si m'étais policier, moi Ariel, ou ka toujours c'est supérieur hiérarchique ou de pour pas démissionner. Ou Ariel ou ka toujours saluer autorité mais dans cœur ah bon ça criminel ça sont bagay consalier son bagay consalier c'est impunité donc gang nan li gen bras derrière banan ni li gen nèg politique derrière banan ni li gen secteur privé derrière banan ni li gen toute qualité moun k'ap supporter policier avant virer organisation doit moun qui camper là qui dou faut policier prend code policier fait massacre policier fait ceci policier fait cela. C'est pas que n'a dédouané policiers qu'on fait abus vrai oui. Si tous les peuples manifestent à demander ba yo sécurité changer la vie aux policiers yo ba yo gaz ouvri balle sous yo ça yo son vérité. Mais en pile fois les policiers moi me connais parler avec qui dou des opérations qui t'a mené vrai oui. Mais policiers ali peur parce que li connaît si kounya yo dou yo rentrer dans village yo les arrivé dans village yo ouvri balle après ça pral tande gen enquête qui fait policier était touyer moun était touyer civil policier était fait x était fait y était fait z nous ouais en pile fois avec organisation droit moun yo nous pas ka écarter possibilité ça mais jodi en la policier yo pas en confiance par rapport avec ministre justice yo pas en confiance par rapport avec premier ministre yo pas en confiance par rapport avec DG yo. Parce que non moun sa yo dans toute sauce, dans toute relation gang, dans toute relation bandit. Secrétaire général Nations Unies, Antonio Gutierrez, li pas campé là. Li rete quoi pour faiblesse qui gagne de l'institution la police. Li allé loin, bon pas même considérer ça comme faiblesse. Li considérer ça plutôt comme un coup dur que PNH en prend. Comment coup dur que PNH prend par rapport avec besoin urgent qui gagne là pour arriver rétablir sécurité en dedans pays. C'est comme si nous besoin sécurité moun qui pou ba nous sécurité y a plagué pied yo braler. Secrétaire général la pose cette question comment sécurité pral rétablir dans pays alors que agent de l'ordre yo même yo a fui pays y a courir quitter aller y a courir quitter pays aller. Bagay ça bay gros inquiétude. Et c'est une des raisons pas qu'on est ça qu'a passé en dedans pays comme si tout ça nous est qu'a fait là yo pendant hier t'a supposé a chercher solution le plus rapide vite avec question policier qu'a couru quitter pays si c'est prime de risque policier pour nous t'a augmenter si c'est plus avantage pour nous t'a bailler policier pour nous encourager au rete que on t'a fait li pi bon pour Ariel. Li pi bon pour Ariel parce que même rapport ça qui nomme Gutierrez, qui nomme secrétaire général des Nations Unies, qui nomme divers représentants pays membres dans Conseil de sécurité, l'Ariel pral gagner pour la faire discours dans tribune Nations Unies. Quand ça va l'utiliser tout, li pral utiliser même thèse ça yo, même argument ça yo pour le dou PNH dans situation difficile. Mais ça secrétaire général des Nations Unies te fait comme remarque paquet policier qui allait, qui désertait, qui mourit, etc. Oui, faut blanc venir. Dans moment là, tout ça nous est mal passé dans pays à le ranger Ariel Henry. Li range Ariel doublement. Yo pas quitter pouvoir pour aller répondre question à la justice sur dossier Jovenel. Li pas quitter pouvoir d'autant force multinationale pas unie pour permettre li gen consolider pouvoir, pour permettre li gen fin voler assez l'argent l'a bien besoin pour le rendre. On grand monde comme ça, yo nèg yo lagué dans voler. Et ça son drame. Et ça son drame. Bon la jour rivé, faut qu'on kakembe dit to. Bon la jour rivé, faut ni on carité droite dans figure pour les regarder petit ou petit tout. Oh petit Ariel ou yo pas ka bon monde. Ou pas gen bon sang k'ap couler dans vin nous. Parce que bagay ça yo, faut nous commencer répéter moun yo. Là nous kon famille yo proche, faut nous commencer mettre au mal à l'aise côté. Ah, Ariel était grand papa ou? Ah bon, même raison là, même race criminel yo. Ah ça nous fait Haïti, ça nous fait pays hein. Nous pas ka bon monde, pas fréquenter moun ça yo. Donc dans moment là, moi ka di nous que situation PNH li vraiment difficile. Vraiment difficile. L'autre des 80% territoire et département l'Ouest, capitale dans mes gangs, posez toutes questions. Gang a frappé en haut, yon a Kafoufeuille, yon a Delma, yon a Pétionville, yon a Torsel, yon a Tabac. Comprenez bien. Comprenez bien comment PNH pral dans tout front ça en même temps, pral réagir, pral intervenir sur tout front ça en même temps. Pendant PNH nan di yo pare pou yo mener opération, bandi yo même tout, y a frappé, y a vous comprenez, y a mettre chaleur dans mitan population. Bagay ça li pa simple, li gen men derrière, li gen men derrière nan moment là. Et moi même prend responsabilité pour me dire tout ça qui passé là. Tout ça qui passé là, oui, gang yo gen responsabilité, gang avin gen responsabilité, Canaan gen responsabilité, village de Dieu gen responsabilité, vite l'homme gen responsabilité, mais premier responsable tout ça qui passé là, c'est Ariel Henry et tout gouvernement là, bon criminel ça c'est responsable. C'est au pas faire rien pour stopper hémorragie, c'est au crème ouessant, c'est au crème boisson, donc bandi a couler sans pour. Donc son paquet vagabond yo nèg sa ou son paquet sans conscience, son paquet sans maman yoye. Donc tôt ou tard si pays ça gagne justice, si t'es maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il t'es maintenant petit grand moun Ariel Henry, y a tout pareil li yo, tout acolyte li yo, faut moun sa ou t'a répondre question et faut que t'as sanctionné. Faut que yo t'a sanctionné, moun sa ou fait trop pays, yo fait pays trop mal. Yo fait trop dégâts dans société ya, yo pas ka bon. Bon, on nous quitte le dossier secrétaire général des Nations Unies là pour l'instant, parce que 15 septembre cap bien pour venir là dans quelques jours encore semaine prochaine, on pense pral gagner un ensemble de décisions qui pral prendre et qui a bien des impacts sous question politique là en Haïti, qui a touché des acteurs politiques parce que 15 septembre ils ont promettre que y a une liste qui pral sortir dans Nations Unies qui pral sanctionner en pile politiciens qui dans relation avec gang. T'as bien aimé yo mettre non et Ariel là-dedans parce que ça yo a fait là c'est supporter bandi y a fait, y a supporter gang yo et il pas t'a fait défaut si yo t'a mettre non autorité qui là là-dedans tout et après y a mettre l'autre. Et l'autre dossier extrêmement important, c'est le dossier politique qui concerne la délégation CARICOM. Eh bien, il faut que je dise, nous, dans le moment où nous parlons, la délégation CARICOM est sous sol. Il y a diverses catégories de monde, je suppose rencontrer, diverses catégories d'acteurs, je suppose font parler avec eux, sous question Haïti, sous question stabilité politique. Mais délégation CARICOM nan qui vini là yo pas vle vinn faire corvée parce que yo songe ça qui t'est passé Jamaïque tout récemment là yo pas vle vinn faire corvée. Et bien décision te prend pour te gagner yon réunion yon entrevue virtuelle. Avait dit tout moun rete la caillou on comprendre dans bureau yo et puis a communiquer réunion a fait via internet et puis tout moun qui doit assister à réunion yo là yo en ligne y a parlé. Réunion ça li fait 1er septembre. 1er septembre passé hein Ariel Henry et gagné responsable à Montana gagné et divers signataires déclaration et conjointe et Jamaïque là. Donc, t'as le beau monde qui était là, qui t'a participé dans la réunion. Eh bien, qui ça bagaille lan yé? Nous connaît gens toujours gagne réticence par bon côté Ariel Henry de pour venir parler Ariel des questions exécutif bicéphale, bon garanti Ariel à tout André Michel et Ariel. L'homme nous André Michel là parce que André Michel c'était premier monde qui t'est campé. Le Akomontana te vini avec question et faut que bon exécutif bicéphale André Michel te dit qui côté au passé au te ouais ça. Qui côté au passé au te ouais ça puisque gros accord là si on veut vin rentrer dans encore en septembre, vin rentrer dans encore 21 décembre, blier question exécutif président premier ministre. Ariel là c'est l'homme à tout faire, la fait toute bagaille. Eh bien CARICOM avant que vous voyez délégation, vous estimez pas vous venir faire corvée parce que réunion que vous fait Jamaïque, c'est dans l'idée pour te mettre acteurs chita ensemble, pour te mettre et protagonistes chita ensemble pour arriver Antonio, au lieu Ariel Antonio anegyo à monsieur Damio, Ariel dans premier jour, il va mettre point de prix dans réunion et puis dans deuxième jour, bon li vini, li chita là mais li pas cédé ba negyo. Eh bien CARICOM comprend jouer qu'aucun cap jouer avec pouvoir Ariel là. Eh bien, gagné premier ministre jamaïcain hein, qui lui-même lui dit que bon par rapport avec situation ça, au lieu que nous voyons une délégation en Haïti sans que et nous pas gagné assurance que toute bagaille pral bien faite, que toute bagaille pral Ariel pral c'est des moun yo pral entendre yo. Bon nous faisons première réunion pour nous mettre sous table un grand point délégation à venir débattre. Grand point que membre délégation pral déposer devant chaque acteur yo pour pas rien plein. Effectivement, dans réunion délégation CARICOM qui était membre CARICOM qui t'a assisté réunion virtuelle là. Avant ouais délégation yo dit que dans réunion qui a gagné pour fête yo point de désaccord, il faut que vous traitez avant. Et qui ça point de désaccord yo? Premier bagay yo dit pral gagner pour débattre avec délégation CARICOM dans ces questions exécutif bicéphale là. Faut que vous entendez sous ça. Deuxième bagay, c'est question au conseil transition HCT, Mirlandi Polique Maniga et pasteur Calix Fleuridor avec Laurent Saint-Cyr là. Faut que vous traitez dossier ça. Et troisième bagay yo a bien pour yo débattre sous li, c'est question conseil électoral provisoire parce que yo pas vle Ariel rete sous tête dans tête pays pour pouvoir comme si c'est bien maman la papa li a cacher derrière un pouvoir pour le pas répondre question sur assassinat, a cacher derrière un pouvoir pour yo faire tout ça à faire prendre pour yo faire tout mauvais deal en batable. Faut bon CEP qui monte pour élection faite. Et dernier bagay là c'est question réforme constitutionnelle là. Donc, jodi an la délégation arrivé, Ariel, yo geta programmé Ariel la monter New York pour la participer dans ouverture 78e session et Assemblée générale des Nations Unies. Ça veut dire Ariel là a commencé le recevoir moun yo, bien elle quand même quitté et on représentant là pour recevoir moun yo, lui même li lage pied. Le pourquoi? Ariel pas gain intérêt pour le partager pouvoir là. Li pas gain aucun intérêt là pour dire pral céder avec accord Montana parce que nous connaît accord Montana c'est eux même précisément bien que vin gain des déclarations conjointes qui te signé Jamaïque avec différents acteurs, oui, on te saisi, l'homme te ouais, et Lavalas te signé une déclaration conjointe ça, aider Claude Joseph te signé une déclaration conjointe ça, il y a un paquet l'autre acteur qui te signé une déclaration conjointe ça. Parce que Ariel pas gagné tout pouvoir concentré dans mail pour col. Et Ariel li gagné 2 ans dans tes pays, transition pas qu'à 12 comme ça, faut élection faite. Faut que l'ordre constitutionnel rétabli en dedans pays. Et si vous changez de constitution qu'a fait, vous référendum qu'a fait, faut que tout bagay ça replanifié, faut que peuple haïtien qu'on est et le pourquoi de tout bagay ça yo. Ariel lui même qui a manigancé kembe pouvoir. Ariel qui a manigancé monton CEP côté le bral mettre moun pal dans CEP pour faire élection. Côté Ariel a toujours besoin même après le passe pouvoir pour toujours protéger lui. Eh bien CARICOM par bagay yo comme ça. CARICOM pas gagné même point de vue avec et corps groupe qui supporte Ariel, même gens avec États-Unis qui corps Ariel, même gens avec OEA qui se brader banane Ariel. Tout le monde pas gagné même perception, même vision de gouvernement Ariel là, de façon Ariel a mené pays. Si pour CARICOM, c'est un entente politique qui pour jeune pour résoudre problème qui gagne là, tout problème nous ka connaît gagne là dedans pays. Son entente politique qui pour joindre, eh bien, yo décidé déposer, mettre pied à terre, déposer valise en Haïti là. Eh bien, débat yo, il va y avoir différentes catégories moun là dedans. Nous connaissons Ariel, nous connaissons André Michel, il pas parler. André Michel, c'est premier défenseur accord 21 décembre non. Toute proposition Ariel fait à travers réunion, yo t'a fait de manière virtuelle 1er septembre passé avec Mob CARICOM yo. Ariel pas de problème ni de will d'accord pour yo élargir HCT. Moun accord Montana yo déclaration conjointure pas de problème. Pas de problème. Li d'accord pour l'élargir HCT. Mais question exécutive bicéphale, question exécutive à des têtes ça, question président premier ministre, Ariel pas négocier ça. Ariel pas négocier ça. Et c'est honte Ariel semblait honte. Pour Ariel t'a dit pas de problème, si pour nous font exécutif bicéphale, c'est mot pour président. C'est honte, c'est j'ai Ariel pas faire proposition ça parce que Ariel tellement kembe pouvoir, Ariel tellement collé avec pouvoir, ça c'est comme si l'Ariel t'a sorti dans votre maman. Ariel yo te coupé l'ombre li avec pouvoir en Haïti. Yo te coupé code l'ombre Ariel c'est avec pouvoir, avec premier ministre, fonction premier ministre yo te fait. Question monter en conseil électoral là. Gagne près de 4 à 5 mois que le gouvernement te dit a travailler sur ça, jouk nan bon n'a parlé à là, ti m'arrive à monter, ti m'arrive à descendre. Question ça li soulever parce que si conseil électoral ça li pas monté pour fin année 2024 a passé pas gagne élection qu'a fait parce que nous connaissons déjà toujours gagne contestation chaque coup bon CEP qui monte choisissement mieux c'est contestation c'est bataille politique monter CEP c'est bataille politique pour CEP prêter serment c'est controverse bon prêter serment là un problème pour Ariel parce que Ariel t'est assuré li mette mouni dans cour de cassation ça li est en résoudre petit problème ça mais a toujours gagné des contestations donc s'il pas monter fin année à la m'bo garantie 2024 a monté et a privé CEP a monté contestation 6 mois passé pas aucune décision qui prend et nèg yo calculer yo planifier tout ça yo besoin faire avec paysan pour craser paysan pour pas jamais stabilité politique qui rejoint donc jodi en là délégation CARICOM nan yo là 4 septembre 10 septembre yo bralé moi-même prend engagement pour m'ba nous tout update tout ça m'apprendre dans les couloirs de la réunion. Chaque petite réunion qu'a fait tout ça m'apprendre me promettre nous m'a porter information yo pour nous parce que faut nous au courant de tout détail ça yo. Ariel pas carrément pouvoir parce que peuple haïtien. Ariel pas carrément fonction parce que peuple haïtien. M'pa connait si c'est parce que li pas légal, li pas légitime, comprendre, nèg yo tellement fait, yo peut pour bagay la pas éclater dans boule figure. En tout cas, nous-mêmes nous là, n'a chercher information pour vous de manière à ce que vous été connecté à tout détail qui a dominé à actualité. C'est pourquoi abonner, m'a invité vous abonner et à channel là parce que ça extrêmement important pour faire pour encourager travail là. Et rendez-vous li cassé dans une autre émission, pas négliger, partager vidéo, mais faut me rappeler projet, ouais ça me t'a oublié. Projet rentrée des classes li lancer mes amis, vinn supporter moi avec projet, vinn aider me ba mon coup de main pour ti moun yo, ba mon coup de main pour parents yo, pour moun sa yo qui n'en besoin. C'est pas gros zouzou nous pral supporter, c'est moun qui n'en besoin vraiment pour nous aider pour m'acheter valise, acheter livre, acheter cahier pour ti moun yo pour aller l'école année. Comment pour demander nous support encore là hein? En tout cas, m'attend de support très chers amis. Donc pas négliger les m'écrire dans numéro émission pour supporter. Merci à vous même rester connecté à la plateforme là pour reste programmation. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial, entre des désespoir, de machination politique, il est non dit. Mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sorti le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures de chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle des pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme, même voix.